Gloire à Dieu. Nous sommes à un événement important. Celui de la fête des hommes. Nous avons eu comme habitude de célébrer la fête des femmes. Et c'est à elle qu'est revenu chaque fois, chaque année, l'honneur de nous traiter des thèmes. Et cela a eu pour objet une grande joie dans nos vies. Amen. Mais aussi, cette année, nous avons pensé aux hommes. Il faut que les hommes puissent aussi s'exprimer. Et ils ont eu un thème important sur lequel ils ont beaucoup réfléchi, à savoir les hommes en mission contre le péché. Ils se sont préparés pour cela. Et aujourd'hui, l'étude a abouti à cette fête, la fête des hommes. Nous allons donc laisser l'occasion au premier d'entre eux, qui est le responsable du comité des hommes. Et j'appelle le frère Téminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est un grand jour. Ouais. Alors, je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, nous souhaitons la bienvenue, Matabelle, à tous nos invités, frères et sœurs en Christ. Le révérend homme de Dieu, pasteur, que Dieu vous bénisse. C'est la première édition de la fête des hommes de la mission évangélique internationale. Salut pour tous mes stades Paris, Bethel. Alors, le thème qui a été choisi pour l'événement est les hommes en mission contre le péché, avec les sous-thèmes comprendre le péché, comprendre l'homme et comprendre l'attitude de l'homme face au péché. Alors, traiter le thème du péché est important car il est à l'origine de tous les maux de l'humanité. Le péché sépare l'homme de Dieu. Il le rend coupable devant Dieu. Il le rend Il permet à Satan de l'accuser devant Dieu. Il le condamne à mort devant Dieu. Il lui fait subir la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, nous chrétiens, hommes de la Béista de Paris-Bethel, sommes résolument levé pour être en mission contre ce fléau de l'humanité en général et de la vie chrétienne en particulier. Amen. Pour le vaincre par le sang et l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, notre libérateur. Par la parole de Dieu, qui est notre épée, par la puissance du Saint-Esprit, notre Consolateur, et par notre foi pratique en Jésus, source de notre victoire. Amen. Alors, les différents éléments du programme qui traitent ce thème sont les récitals, les sketchs, les chants et la prédication. Ensuite, les offrandes. Et enfin, une collation sera offerte. À tous,
et à toutes, au nom des hommes, à mon nom propre, et au nom des pasteurs Jean-Claude Nabou et Diego Thierry, je vous souhaite une très bonne fête. Qui nous propulse, qui nous permet de nous approcher de l'éternel, de nous avancer et de rendre la gloire à Dieu. Ce moment est un moment de bénédiction pour nous, parce que nous dirons que l'éternel a fait l'homme en mission contre le péché. Amen. Oh,
tous les hommes de venir ici rapidement. Et après cela, le groupe de Vini va aller se préparer pour le premier qui sèche. Venez, venez rapidement. Est-ce que vous pouvez encourager les hommes? Ce matin. Que Dieu vous bénisse. Sur ça, nous allons demander aux hommes d'aller s'asseoir. Sous votre encouragement, s'il vous plaît.